Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, pardon, 31 mars. Il est 20h28. Notre président vient de parler, etc. Et nous sommes confinés les week-ends. Et bah, j'ai bien fait de prendre ce que je voulais prendre. Alors pour m'occuper, je vais me mettre au puzzle. Voilà. Alors je me suis acheté des puzzles, bah, deux petits puzzles. J'ai trouvé que ceux-là pour le moment qui me plaisaient. Alors un de New York, pardon, avec la Statue de la Liberté, des bâtiments, etc. Alors c'est des 1000 pièces et c'est des 50 par 70. Et je sais pas si vous voyez là, 1000 pièces. Hein. Et nous allons voir comment c'est fait à l'intérieur, comment les pièces sont faites, s'il y a des choses. Alors, je l'ai payé 4,99 euros où je travaille, alors chez B&M. Bon, si vous n'avez pas de B&M chez vous, c'est Babou. Si ça a toujours pas changé, c'est anciennement Babou. Voilà. Alors, voilà à quoi le puzzle va ressembler après, hein. Oui, je me suis dit, si nous sommes confinés, je vais prendre des puzzles comme ça pourra m'occuper quelques jours. Ce 1000 pièces, quand même, ça commence à faire. Hop, alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir cette boîte? Ah, oh, d'accord, regardez, le puzzle il va être vite fait, hein. Il y a déjà des pièces accrochées. Mais bon, c'est pas le but, hein, si je fais un puzzle qui a déjà des pièces d'accrocher. Hein. C'est pas le but du puzzle. Hein. Hop. Ah, bref. Voilà à quoi ça ressemble. Oh, il y a un petit truc. Voilà à quoi ça ressemble un puzzle. Alors, elles sont quand même assez grandes les pièces. Hein. Ça va. Voilà. En voici pour ce premier puzzle que je me suis acheté. Et le deuxième, c'est un puzzle de Londres. C'est le pont de Londres. Pareil, un 50 par 70 et un 1000 pièces. Voilà. Et à quoi bah, comment le puzzle va ressembler comme ceci. Voilà. Alors je ne sais plus si je vous avais montré mes puzzles que j'avais fait il y a déjà un petit moment. Je vais vous les montrer. Ils sont accrochés dans ma chambre. Hop. Alors ça, c'est le premier puzzle que j'ai fait. Alors c'est un 1000 pièces aussi. Et c'est un 50 par 70. Hop, je vous mets comme ça. Et il est vraiment très 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 joli. Voilà. Alors pour le premier et le deuxième qui est au fond sur mon mur, c'est un puzzle de Dubaï. Comme j'étais parti en vacances là-bas, je me suis dit j'ai adoré ce petit pays et je me suis dit j'aimerais faire un puzzle de Dubaï et je me suis acheté celui-ci qui est vraiment très joli aussi. Voilà. Alors voici mes deux puzzles. Et j'en ai un tout petit aussi que j'avais acheté. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. En Turquie, de mémoire. Je crois que je l'avais. Ouais, de mémoire, je l'avais acheté en Turquie. Oh, je ne sais pas quoi ça à quoi représente ce puzzle exactement. Voilà. En voici pour mes trois puzzles qui sont dans ma chambre. Alors ces deux-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Si je les garde après ou si je les vends, je sais pas. Je sais vraiment pas du tout. Voilà. Bah allez, je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.